Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Il y a 1140 opérations qui réalisées. 63 perquisitions qui faites à travers tout le pays. Au cours opération Sayo, il y a 12 964 arrestations qui faites. Et qui répartit comme ça. 301 pour assassinat, 348 pour drogue, gagné 124 pour trafic et traite de personnes, 61 pour crimes financiers, 312 pour viol, 334 membres actifs différents gangs qui gagnent dans le pays. Nous saisis 367 armes à feu. Et parmi eux, gagnent 39 fusils d'assaut. Nous saisis 146 234 cartouches. Les armes que nous avons gardées là, c'est en partie les armes que nous saisis. Parce que il y a des armes qui sont obligées de rester dans la juridiction parce que la même autorité judiciaire pour la suite judiciaire. Au cours de l'opération Sarotou, nous saisis 2738.38 kilos de drogue. Et parmi eux, il y a 54.87 kilos de cocaïne. Nous détruisons 5 plantations de drogue. L'engouement contre kidnapping, non, phénomène kidnapping, non. Nous libérer 41 otages et nous déjouer 93 cas de kidnapping à travers de la zone métropolitaine, spécialement Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Torcel, Croix-des-Bouquets, Tabar et la région et le département de la Tibonite. Nous gagnons 149 bandits, malheureusement qui blessés mortellement dans l'échange avec la police. Il y a 58 véhicules et 2533 motocyclettes que nous récupérons, ou du moins confisqués. Nous saisissons 3 bateaux avec un yacht. Nous pas seulement arrêté l'enfer opération dans la rue seulement, mais en dans l'institution de la police là, nous prenons des mesures pour nous assainir l'administration de la police. Nous révoquons 1432 fonctionnaires. Et parmi là-dedans, il y a 1254 policiers, 174 employés administratifs pour diverses causes. Je dis nous, une autre fois, un message à la population. Que la police là, policiers, chaque jour, ils sont dans la rue. Et la minute que je parle avant pour là, les policiers sont très déterminés. Pas oublier que la force police que nous avons aujourd'hui n'est pas créée pour faire face à ce genre de problème que nous vivons aujourd'hui. Création police en 1995, pas de créer comme force de l'ordre, pas de créer pour faire face à grand banditisme, guérilla urbaine que nous avons vu aujourd'hui. Donc, nous avons la police qui a transformé. C'est ça que fait. Unité spécialisée, nous renforcer, formation continue pour eux-mêmes, pratique pour eux-mêmes souterrain, acquisition de nouveaux équipements l'ITPI adaptés à permettre de faire face à grands défis que vous gagnez sur le terrain. Donc, nous demandons aux populations comprendre la police, croire en la police, collaborer avec la police. Nous avons 4 pompes de gaz que monsieur a attaqué, nous avons 25 motocyclettes qui ont boulé, nous avons 4 bis jaunes, et monsieur Medi Feladayo, nous avons un minibus, nous avons 4 camionnettes, une voiture, une tête camion, un minibus. Attaqué par des bandits, chauffeur a blessé, pas blessé, balle, libre dans le dos. Nous avons l'autobus
qui marque rotation, monsieur a attaqué, autobus a chaviré et chauffeur a mouru et il y a des passagers qui mourent dans l'autobus. Nous avons 3 personnes qui blessées dans l'autobus rotation ça. Nous avons une personne qui court avec l'hôpital, nous ne pas qui est ça et plus nous avons un chauffeur motocyclette tout, monsieur tué. Dans même autobus rotation ça, il y a un monsieur qui est sur bicyclette et pendant bus a chaviré al passer près lui, il est tout mort tout. Plus tout petit et très tôt marchand yo et mettez 10 feux là-dedans yo. Il y a 4 conteneurs qui ont marchandises tout yo, mettez 10 feux là-dedans yo. Et vous avez un bilan, il est vraiment haut. Il y a près de 6 personnes qui mourent dans le dossier bandit offert au niveau Bon Repos, dans la zone Canaran. Mais c'est ça nous gagnons comme bilan partiel parce que les gens qui sont à l'hôpital ne peuvent pas s'y mourir avec s'y vivre. Tout Zak ça au secteur transport en Guinée, c'est carence l'État, côté l'État pas pour responsabilité. Ah, mais c'est ça la paix pour le moment. Dernière victime, c'est toujours la population. Tout le monde a nous fait grève. Pas oublier, nous fait 5 grèves, près de 16 jours, campé, nous pas travail. Égal, nous pas aucune position à prendre, c'est Goumen à Goumen. Là, c'est pas Grand Sud, c'est Grand Nord. Pas aucun côté. Nous avons une capitale qui est enclavée, pas aucun côté nous a viré là-dedans. C'est bandit qui a peut l'appeler. L'année qui s'achève nous a apporté son lot de problèmes. Nous avons dû assumer et prendre des décisions difficiles qui n'ont pas plu à tout le monde, mais que les contraintes budgétaires nous imposaient. En 2 occasions, les fluctuations des cours du pétrole nous ont obligés à modifier les prix à la pompe. Ce ne furent pas des décisions faciles. Et je saisis l'occasion pour souligner la solidarité de l'ensemble des membres du gouvernement qui l'ont assumé avec moi. Il était devenu intenable pour les finances publiques de continuer à supporter cette saignée de plusieurs milliards de gourdes tous les mois, alors que nous ne disposions pas des ressources suffisantes pour assister les plus défavorisés, ni pour atténuer les effets du choc provoqué par l'inflation galopante, ni pour faire les investissements nécessaires pour améliorer nos infrastructures, rendre disponibles les soins de santé, et encore moins pour équiper nos forces de sécurité et les mettre en situation de faire face efficacement aux gangs armés. Le peuple haïtien s'est plaint, mais il a compris que nous ne pouvions pas continuer à vendre à moitié prix un produit qui venait de l'étranger. Il nous incombe au niveau du gouvernement de trouver les bonnes formules pour garantir la disponibilité du carburant sur tout le territoire au prix fixé. Ceci m'amène à parler de l'insécurité, de la terreur que les gangs armés font rier à la capitale et dans d'autres points du pays. C'est un sujet de préoccupation pour nous tous. Le gouvernement a consenti des sacrifices pour commander certains équipements pour la PNH. Les livraisons ne se font pas au rythme que nous avons décidé ou que nous avons souhaité. Là encore, je dois souligner la solidarité des membres du gouvernement qui ont été unanimes pour lancer aux pays amis d'Haïti un appel à une assistance robuste pour aider la PNH à reprendre le contrôle du territoire. Nous avons des raisons de croire que cette assistance va arriver. Nous en avons besoin pour réaliser ce qui est la mission principale du gouvernement intérimaire, c'est-à-dire remettre notre pays sur les rails de la démocratie, reconstruire nos institutions et rendre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien. Nous terminons cette année avec l'espoir que nous allons parvenir enfin à rassembler nos compatriotes autour d'un projet commun et à l'organisation d'élections libres et transparentes. Le gouvernement a compris que les serviteurs de l'État avaient, comme tout le monde, des difficultés à faire face à la montée des prix du panier de la ménagère. Malgré les contraintes de l'austérité budgétaire, nous avons fait un effort particulier pour accorder une augmentation substantielle de tous les salaires dans la fonction publique, allant de 13%
pour les salaires les plus élevés, jusqu'à 49% pour les plus bas salaires. Synergie, c'est notre 32e promotion à la police nationale d'Haïti qui gradue vendredi 23 décembre. 715 aspirants policiers sur 739 qui passaient ensemble et prévio te gagné pour yon sibi pendant 5 mois qui se passaient là. Parmi yon, 541 garçons et 174 femmes. Premier ministre Ariel Henry croit que c'est un besoin urgent pays à gagner pour renforcer effectif la police nationale là dans tout niveau. Ça qui la cause, Haïti pas qu'à répondre à quantité policiers pour chaque grain de monde, même Jean Saïe sous échelle internationale là. Le manque d'effectifs est un problème constant qui oblige le commandement à jongler en permanence pour répondre aux multiples sollicitations qui lui parviennent de partout dans notre pays. Les derniers rapports qui me sont parvenus montrent que nous sommes très loin de la moyenne internationalement admise du nombre de policiers par habitant. Alors que tout le monde attend de la PNH qu'elle garantisse la sécurité de nous tous, qu'elle permette la libre circulation des personnes et des biens, qu'elle fasse régner l'ordre sur tout le territoire de la République, le ratio de nombre de policiers pour 1000 habitants est chez nous de 1.06. Les normes internationales sont plutôt de 2.2 policiers pour 1000 habitants. 94 commissaires pour le renforcer au commandement, d'après directeur général AI Police Nationale, la France LB. À la tête PNH, la profité salier mémoire inspecteur général Harrington Rigaud, qui était tombé en bas balle négaxam 25 novembre passé, sous bout de frais, avec tout l'autre policier qui mourit dans l'exercice fonction. En cette circonstance spéciale, permettez-moi de saluer la mémoire de l'inspecteur général Harrington Rigaud, qui devrait être là parmi nous ce matin, après avoir livré une bataille ardue pour mettre à la disposition de la PNH des cadres supérieurs bien formés aux principes de management, de sécurité publique, de pensée stratégique, et dont le départ impromptu nous empêche ce matin de bénéficier de sa radieuse présence physique. Bien qu'il laisse sa marque indélébile à travers chacun de ses commissaires, fraîchement diplômé. À propos, nous ne pouvons non plus oublier l'élève commissaire Rosely Silfas, qui n'a pas pu achever la course en raison de son décès en date du 1er décembre 2022. Et Madame Mona Champagne, membre du personnel administratif de l'ANP, décédée le 17 décembre écoulé. Aujourd'hui, nous voulons honorer leur présence et celle de tous nos policiers et policières tués. Charles-Pierre Smith, qui sortit dans la 9e promotion avec Basley McKenzie, c'est non premier lauréat 7e cohorte commissaire avec lauréat 32e promotion la police nationale. Là. Différents pelotons t'ont offert un pile bel spectacle pour te faire mes activités. C'est journée mardi 27 décembre, enterrement historienne au des trois fonds bruns chanté dans Pétionville. Monseigneur Pierre André Dumas préside cérémonie ça en présence famille, proche et plusieurs personnalités politiques parmi eux. Premier ministre Ariel Henry, constitutionnaliste Merlin Maniga et ancien secrétaire d'État pour mon handicap, Gérald Auriol Jr. Famille ak zami doyen lan pat kache émotion yo et puis montrer respect yo te gagnen pour défendre. Message principal intervenant yo centré sou yon sel et même l'idée. Ou des trois fonds bruns a continuer vivre à travers zèv li te fè pendant passage sous terre et spécialement à travers projet li te mette sous pied qui relè fonds de parrainage scolaire d'excellence. Historienne Odette Trois Fonds Bruns prend naissance dans l'année 1917. En 1945, il est diplômé dans l'école normale supérieure et après ça, il a pris le rendez-vous dans le pays États-Unis pour continuer avec études dans le domaine sciences infirmières. Vendredi 23 décembre 2022, famille écrivaine Odette Trois Fonds Bruns annonçait la mort en séance à qui a mené un combat pour un environnement propre, mourir à 105 l'année. Ça sorti dans la situation que lié à
que yo relé le pays Fatra, que yo pays le seul PM d'Amérique, alors que c'est pays qui gagne plus richesse qui existait, c'est pays ça qui franchement te doit à devant tout pays Caraïbes là, c'est lui-même qui seul a une histoire unique, c'est lui-même seul qui combat l'esclavage, c'est lui-même seul qui crase les colonisations. Donc pays ça fait pour la avant-garde dans Caraïbes là, mais il le pour Haïtiens nous-mêmes nous réaliser mes places Haïti qui j'en pour vivre là, c'est donc qu'on vit tête ensemble à la suite de Duvalier. Moi tout pays a été campé à faire combite toute la rue, à tout bas, combite nettoyer la rue, combite réaliser l'école, combite reconstruire l'école, tout bagarre c'était combite. Là ça, m'a regardé politiciens yo, qui a parlé socialisme, communisme, capitalisme. Je me dis même mon bon ça c'est mon lot bon, c'est pas mon panne. Haïtien, ça le tendait, ça le comprend, c'est combit. La preuve, c'est que tout ça l'appel de Léon Combit. Et même la diaspora aux États-Unis, il y aurait les petits points pour faire. On nous parle déménager dimanche, là, pour un gros combit, tout à plat, puis moi, employé combit. Parce que combit là, évoqué tout de suite que nous pouvons mettre ensemble. Sans yon pas payer nous. Ce n'est pas pour l'argent nous pas faire combit là. Combit là, c'est yon et de l'autre pour résoudre le problème. Donc c'est ça que moi dis, mais pour que ça nous pas carrément ni socialiste, ni communiste, ni capitaliste, pour que nous parlions les contrats sociaux haïtiens, hein? Combitisme. C'est ainsi que je pense sous combitisme. Série d'audiences correctionnelles et criminelles qui a déroulé, d'abord qui a commencé à dérouler depuis la semaine passée, qui a continué toute la semaine ça. Et côté que nous connaissons, nous avons une situation extrêmement difficile. Il y a un pile de monde qui était en situation de détention préventive prolongée, qui était doué juger devant le tribunal criminel ou bien devant le tribunal correctionnel. Eh bien, gagner une disposition qui prend en décanat tribunal là et parquet tribunal là pour être capable d'organiser des audiences pour Mounsayo, de comparaître devant un juge qui pourra gagner pour décider est-ce que Mounsayo y a peut ordonner libération ou bien est-ce qu'il y a peut condamner pour des infractions que il a commettre. Activité ça organise deux semaines. Et maintenant, c'est doyen, nouveau doyen tribunal là, qui c'est Chavan Etienne, qui lui-même va le décider avec le commissaire gouvernement, est-ce qu'il peut poursuivre session d'assises criminelles. Moi, je connais pour audience correctionnelle, il a toujours continué, mais pour session assises criminelles là, c'est deux chefs de juridiction ça, qui va le décider, est-ce qu'il a continué à poursuivre pendant le mois janvier et l'autre mois qui va venir. Dernièrement, et à peine à te communiquer, non, c'était environ près de 3000 détenus qui gagnaient dans la prison civile de Port-au-Prince, mais en dans tout chiffre ça haut, et nous, par mesure, déterminer qui monde qui t'a doué passer devant un juge criminel, correctionnel ou bien devant cabinet d'instruction, c'était un chiffre sous totalité monde qui détenu, qui dépend de... Avec une croissance négative pour 2022 à la, qui prévoit autour de moins 1,7%, ça va le faire quatrième année consécutive que l'économie Haïti négatif. Donc 2019, 2020, 2021, 2022, ça fait 4 ans de manière consécutive que l'économie Haïti gagne une croissance qui est négative. Et nous n'avons pas vraiment gagné expérience ça, parce que dernière fois, nous étions en situation avec 3 ans de dysfonctionnement. C'était l'époque coup d'État embargo dans les années 90. Mais depuis le A, nous n'avons pas déjà une situation qui est aussi difficile. On a un élément qui manque à Néa, c'est niveau la vie chère. Ça nous est l'inflation. Qui, dernier chiffre qui baille pour octobre, c'est 47%. Depuis l'époque coup d'État, 94, nous n'avons pas jamais eu un niveau la vie chère qui est aussi haut comme ça, à 47%. Et qui voulait dire ça, voulait dire. Maintenant, il y a une raison qui explique ça particulièrement, c'est niveau insécurité que nous avons en 2022, qui fait que l'activité économique là, pratiquement asphyxiée. Donc, business, circulation marchandises, transport, tout bagaille vient picher parce que insécurité, activité gang vient prendre pays en otage, particulièrement en département l'Ouest, et ça a un impact direct sur la qualité de la vie, ça a un impact direct sur le travail, sur le job, j'aime bien dire là.
sous entreprise yo, et même sous recette l'État en tant que tel. Et l'autre élément, c'est tout jour de blocage que nous vivons dans le pays. Il y a un pile mouvement, et en même temps que c'est des mouvements de réaction par rapport à problèmes qui gagnent à fait gaz. Nous avons aussi gaz là tout, qui pendant un an ça, qui est tellement rare et difficile pour nous joindre, qui chè tout, l'on va acheter la machine formelle, qui vient faire que ça vient augmenter le prix produit. En même temps, tout gagne un problème d'échec au niveau du secteur agricole là, parce que pas gagne assez investissement gouvernement fait dans la question ça, avec tout problème de route, yo de l'eau, qui vient faire que un problème de rareté de produits agricoles haïtiens, qui vient faire que prix produit vient pêcher. Et l'autre élément, c'est l'inflation internationale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Haïti qui a inflation, donc côté n'a pas acheté produit nous. Côté en Haïti n'a pas là d'un niveau d'inflation qui est extrêmement élevé. Et pour comprendre ça, provoquer ça, gagner deux catégories d'éléments pour mobiliser. D'abord, il faut regarder au niveau externe, c'est-à-dire que gagner des variables internationales qui participent, souvent dans l'explication, hausse d'inflation. Et deuxièmement, il y a des variables justement internes. D'abord, au niveau externe, c'est qu'il y a une situation d'inflation au niveau international depuis plus de 6 mois maintenant. Et comme l'économie haïtienne, justement, son économie importée en pile, eh bien, l'économie haïtienne a importé l'inflation. C'est-à-dire que quand on achète les produits, eh bien, on achète des produits justement qui déjà est souvelé à vendre à des prix très augmentés. Donc, ça veut dire que le premier élément, c'est justement la conjoncture internationale qui est marquée par l'inflation. Ça tellement vrai que dans les données de l'IHSC, l'IHSC explique que, écoutez, l'inflation sur les produits importés, c'est 61%. Alors que sur les produits qui sont fabriqués localement, l'inflation, c'est quand même seulement 39%. Donc, premier élément pour mobiliser, pour comprendre ça, c'est la conjoncture internationale. C'est qu'au niveau international, il y a une augmentation de prix. Et comme l'économie haïtienne, c'est une économie qui importe beaucoup et qui dépend de l'international, eh bien, l'économie haïtienne, justement, importe l'inflation. C'est le premier élément. Maintenant, au niveau interne, il y a ensemble d'autres variables qui participent à expliquer le niveau inflation élevé. Ça. Première variable, c'est la question de change. On est d'accord que, écoutez, sous année civile, ça a goudre l'an perdu plus passé 50% de sa valeur. Et mais cette perte de valeur de la goudre par rapport au dollar américain, eh bien, il y a juste une inflation, étant donné que quand le dollar vient plus cher, comme l'économie, l'économie haïtienne, c'est une économie qui importe, eh bien, quand l'importateur a importé, il est toujours payé pratiquement plus goudre, puisqu'il a toujours besoin plus goudre pour l'acheter dollar là. Maintenant, quand et le vendeur vient à cause du là, il faut qu'il vienne à un prix élevé. Donc quand on a un taux de change qui a augmenté comme ça, son facteur direct de l'inflation. Mais le deuxième élément, c'est que et au niveau de l'économie haïtienne, on a une situation et d'insécurité justement qui est toujours préoccupante. D'ailleurs, on a un ensemble de grands axes dans le pays qui est bloqué. Par exemple, aller dans le nord d'Haïti par voie terrestre, c'est extrêmement difficile parce que Canaan bloqué. Quand on a une situation comme ça, il dit qu'on n'a pas une libre circulation des biens, des personnes et des marchandises. Quand on n'a pas une, pratiquement un bon ensemble de produits qui n'est pas disponible dans tout point dans le pays, souvent la quantité suffisante, l'argent était disponible avant. Donc ça, c'est un élément justement qui favorise la question d'inflation. Et autre élément qu'il faut mobiliser sur le plan interne, c'est qu'on a une incertitude politique. Quand on a une incertitude politique en général, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'incertitude politique, il participe et à faire dégrader les indicateurs pratiquement. Donc, incertitude politique, là, c'est l'autre élément qui participe justement à expliquer ce que nous avons là. Donc voilà, et on combinaison d'éléments pour mobiliser, si vous voulez comprendre ce qui a passé en matière d'inflation dans l'économie haïtienne. Pour question insécurité, hein, et nous pral mettre à l'honneur et l'Artibonite, nous connaît qui toujours a fait actualité avec gang qui gagne dans l'Artibonite, qu'elle était cocorate sans race, qu'elle était base Grand Rif Savien, qu'elle était base Palmis ou bien base Lucas. Eh bien, M. Sayo, pas suspend, fait et actualité. Donc, je dis encore l'autre fois, nous allons parler de gang Sayo, de Sayo fait dans la Tibonite. Alors, rapidement, nous allons commencer avec l'émission pour nous dire exactement ce qui s'est passé dans la question de gang Sayo. Capé 6 mai la terreur dans le département de la Tibonite.
Nous songez gagner monsieur, alors c'est son commissaire divisionnaire, c'est monsieur Jean-Bruce Myrtil qui était bail 20 jours pour y être capable de commencer à mettre la paix dans la Tibonite là avec gang Grand Griffe Savien, gang Lucas, gang Palmiste, gang Cocorate sans race qui prend la Tibonite là en otage. 20 jours directeur départemental police là commissaire Jean-Bruce Myrtil Tebay là li expiré depuis 23 décembre 2022. De date directeur a te prend contrôle la Tibonite là, te prend contrôle direction départementale là à 23 décembre que le Tebay comme date limite pour te commencer mettre la paix dans la Tibonite là. Qui ça que nous capable joindre comme bilan, qui ça nous ka fait comme bilan, qui travaille directeur départemental là avec la police qui sous contrôle li au fait dans département la Tibonite là. N'a dit que directeur a été annoncé en série de changements dans tête police là. Oui, directeur Jean-Bruce Myrtil monsieur fait un pile changement, monsieur brasser bill et la police là dans la Tibonite là, gen moun qui transféré al dans l'autre département, gen moun qui transféré de yon commissariat à un autre, sans compter de policiers Udmo spécialisé que monsieur mettait dans sous-commissariat Patchouala, dans sous-commissariat Moopey ou bien ta relé sous-commissariat Ponsondea. Est-ce que ça résout le problème là jusqu'à présent? Pour qu'on gagne en quelle action concrète que policiers ont mené dans la Tibonite pour nous dire à tout bon vrai la police sous route pour le craser grand griffe ça vient. Mais ça qui ont été gens dérangeant dans tout ça et directeur départemental police l'a été annoncé, c'est le fait que jusqu'à présent base grand griffe ça vient. Monsieur libre de toutes activités, yo est capable de faire et mener activité sans problème, sans yo pas inquiété. Et une action que en pile moun terete aptan que directeur départemental police là monsieur Jean-Bruce Myrtil fait qui t'a pour montrer effectivement que gon travail qu'a fait que la police sou tout bon vrai pour li traquer gang nan, c'est d'abord permettre que moun monsieur te kidnappé pendant début mois novembre là pour moun sa ta rentrer la caillou, même si la police pas ko capable faire ça parce que pour faire ça faut ta faire opération dans base là, mais moun yo estimé que population surtout estimé que gon série de machines monsieur te volé dans main et chauffeur propriétaire machine qui t'a fait trajet Ponsondé Mirbalet, alors d'aka dit Godaïve Saint-Marc en passant par Ponsondé et Mirbalet, gon paquet petit bus monsieur te prend camion l'autre machine monsieur al serré machine ça au bord fleuve la rivière qui pas dans bazio qui en dehors de base là monsieur croit que pendant 20 jours que directeur a été annoncé, au moins directeur départemental police là t'a fait un pour que propriétaire machine ça ou t'a aller récupérer machine yo. Question que jusqu'à présent mon a posé, pour qui ça pendant tout temps ça directeur a installé dans poste li, il t'a annoncé qu'il va mettre la paix dans la Tibonite là. Pour qui ça directeur a pas fait que la police a permettre que propriétaire machine yo al récupérer machine yo côté monsieur mettez au bord de l'eau bord fleuve la rivière qui côté monsieur passé ak machine yo c'est sous et pont rouge qui entre Moopey et Liancourt. Qui ça la police fait au lieu monsieur ta al essayer récupérer machine yo fait mettre machine yo al récupérer machine yo monsieur mettez plutôt deux camions de bascule sous pont. Donc, yo bloqué
pont pour machine pas qu'à rentrer ou bien pour machine pas qu'à sortir. OK. Maintenant, ça vient de faire que qu'on y a un petit genre plus difficile pour monsieur Basgan Griff Saveyo vienne pour une machine sous Lianco pour rentrer et pour aller sous route d'accord dit ça vient même si yo poko prête pour ça vient mais à cause de pilte qui sous point monsieur vienne pas qu'à traverser avec machine d'ailleurs après gain on et camion boîte qui devant point monsieur te prend avec pile marchandise là-dedans comme gon pilte sous point yo pas qu'à retirer pilte yo machine nèg yo débarquer machine là devant point et puis machine ça a toujours été là même machine ça mettre li pas qu'à ko cal chercher parce que pour mettre machine là ta va chercher machine ça faut quand même que la police ta va accompagner jusqu'à présent monsieur yo poko jam ka et organiser même anti descendre de lien pas d'opération parce que pour faire opération c'est dans base ça vient pour aller ou pas l'obligé de prendre pile temps ou faut besoin pile nèg en pile garçon faut besoin en pile matériel faut besoin blender etc. Donc ça m'a dit en gros et t'as qu'à dire en gros préparation en grande préparation pour qu'arriver à mener opération dans base ça vient mais pour nous al récupérer machine que monsieur pas même qu'arrivé bon fleuve la rivière avec qui sous l'autre bon fleuve là qui passe à vient bah c'est ça li pour moi li facile et si la police pour que j'aime quand même al prend machine que monsieur volé dans même mon que pas qu'arrivé dans base ça vient avec la police pour que même qu'a organisé anti descendre les anti opération pour al permettre propriétaire machine yo récupérer machine yo qui espoir que la police a bail à population qui lui même trouvé une situation extrêmement difficile. Donc moi pense que directeur départemental police là monsieur Jean Bruce Mitil attendait Radio Pyramide FM, l'attendait voix population, l'attendait voix paysan yo, l'attendait voix rivière Tibonisse yo, l'attendait voix moun ki nan vale a, faut quand même que directeur a bail n'ta ka dit bail un message, faut lancer un message, faut directeur a quand même la bail un signal et signal là li pas l'autre que pour moi et pour un pile l'autre monde premier signal que directeur départemental police là doit lancer pour montrer que bandi yo yo pas vinn jouer avec eux mais pour montrer bandi yo que yo pas libre de toute action que vous voulez mener dans la Tibonite là, c'est d'abord faire mounio, faire chauffeur, faire propriétaire machine yo, à récupérer machine que monsieur prend yo mettez bon la rivière. Et qui ça qui empêche directeur à faire ça? Qui ça qui empêche directeur à faire ça? Moi m'ta remet que directeur a, m'ta remet que monsieur Jean Bruce Mitil dit dans la radio, dit devant la presse pour qui raison fait que jusqu'à présent, l'époque ka mener et propriétaire machine yo et chauffeur machine yo a récupérer machine pile machine que monsieur te volé monsieur saisi dans mes moun il a le metté bon fleuve là c'est des machines côté plein passagers monsieur et vinn sous Liankou nèg prend machine yo à tout passager yo yo prend chauffeur yo yo kembe chauffeur yo gen là dedans yo lagué yo prend cop dans main yo pour yo lagué chauffeur yo pour capable retourner la caillou mais gen crété là tout et gena machine yo jusqu'à présent moun yo pa kal pran yo parce que soit machine yo pa gen batterie ou bien monsieur commencé déboli machine yo or la police et gagnen yon commissariat qui qu'on y a installé et qui gen policier la dan ki lien kou monsieur gagnen yon sous-commissariat qui n'ta ka di bien équipé qui bien belle un bel commissariat qui mon pays ponsondé qui ça qui explique jusqu'à présent la police pour qu'on jamais capable fait que machine que monsieur te kidnappé moun la dan yo te volé yo te détourné al mettre bon fleuve la rivière qui pas et ça vient
qui ça empêche jusqu'à présent la police pour permettre que propriétaire machine ça a récupéré machine yo, qui ça la police attend, qui ça a besoin, qui ça fait pas qu'à faire. Et ça me pense que c'est responsabilité directeur départemental police là, c'est responsabilité commissaire police Saint-Mac là, c'est responsabilité responsable sous-commissariat et Ponsodéa, c'est responsabilité commissaire police Liankoua pour dire exactement pour qui ça jusqu'à présent et machine monsieur été détourné, machine monsieur été volé qui passe à vient qui dans zone Liankou pour qui ça jusqu'à présent propriétaire machine ça poko capable à le prendre poko capable à le récupérer yo. Et moi penser que tout autant que monsieur poko ka fait ça et ben pas qu'on gagne un signal vrai que la police eh ben voyez pour montrer que il a fait un travail tout bon vrai. OK, moi même Vince m'a vienne sous sodim dans là, moi même pour me ca montrer directeur départemental parce que directeur kata de mon a dit li ka pa konn sa ka passé dans la Tibonite là, directeur ka peut-être oui, directeur a fait un pile travail, li fait réunion avec plusieurs monde. Monsieur fait réunion avec quelques membres dans communauté a dans zone Mopey. Monsieur fait réunion avec quelques membres dans communauté a dans trivé la Tibonite dans commissariat. Monsieur rencontré plusieurs responsables l'église, responsable la cour dans Gonaïve, la cour Vodouyo. Monsieur parlé avec plusieurs monde, li rencontré avec société civile là. Li rencontré avec responsable la mairie Gonaïve. Monsieur fait plusieurs rencontres, c'est vrai, c'est très important. Mais et après toute rencontre ça yo, qui signal qu'on voyait bay bandi yo pour bandi yo ouais que yo pas à l'aise, pour sentir que yo pas à l'aise. Qui signal qu'on voyait bay population pour montrer tout bon vrai que après toute rencontre sur autre faire là, OK, non venir pour faire travail parce que rencontre yo bon, c'est vrai. Parce que notre rencontre, soit chercher appui population, soit chercher information, soit chercher pour moun yo collaborer avec. Et moi pense que population déjà prêt et yo paré pour collaborer avec la police, yo prêt pour collaborer avec directeur départemental là. Quelle que soit opération directeur pral faire, moi me garantis directeur départemental la Tibonite police là, mais commissaire Jean Bruce Mutil, quel que soit appui le besoin dans mes population actuellement, s'il veut mener opération bien veut écraser gang qui gagne la Tibonite yo, population paré pour yo bail support yo paré pour yo bail accompagnement yo. Mais maintenant qu'on y a, qui ça la police a fait? Qui signale la police a voyé? Moi-même, moi pense que la police gagne responsabilité jodi pour lancer un signal. Moi le dis auditeur qui attendé Radio Pyramide FM ou bien ou même qui suivent nous sur Facebook, moi pral di nou qui misère on monde gè pour le passé pour le sortir Saint-Marc ou bien Gonaïve pour la Port-au-Prince jodi a n'a parlé là jusqu'à jodi a n'a parlé là. Pendant ce temps gagne yon unité spéciale UDMO qui dans sous-commissariat Mopé là, pendant gagne un commissariat qui gagne policier là dans Liankou pour yon moun sorti Port-au-Prince pour li aller pour yon moun sorti Saint-Marc ou bien Gonaïve pour la Port-au-Prince en passant par Ponsonde, moun na gagne pour le faire à peu près 6 heures de temps en route. Le directeur que la connaissait jouet li moi même pour me Kevin dit nous ça m'a dit non là mal fait expérience là. Moi sorti Gonaïve, moi monté dans petit bus côté chauffeur a t'a courir en pile. Moi quitté Gonaïve à 11h exactement du matin. Moi arrivé Port-au-Prince à 7h30 du soir. Qui s'acrivé pour sortir Ponsonde pour aller et Mirbalet ou bien pour faire 6 heures en route ça. Quoi vle le coup avle, quelle soit machine ou gagne, on pas ka faire pipiti que 6 heures en route. Et le machine nan kite Ponsonde pour arriver Liankou, même si gagne un passager nan machine nan ki gon pipi kembel. Même si on passager nan machine nan gon toilette kembel, pas grand ken chauffeur kap camper pour. Chauffeur pas camper pour du tout parce que dou zone ça c'est zone dangereuse. Et sorti Ponsonde pour jusqu'à ce qu'on rive Liankou, pas grand doit rencontrer avec un grain machine police ni ka faire patrouille. Ni pas grand policier qui a terre non point fixe, par exemple dans zone pont rouge
côté monsieur Basgan Grisavien yo a fait aller vini Jean Ouvlé ou ta doit gagner quand même un point fixe police dans zone là jusqu'à présent et directeur départemental police la vin là dans commissariat dans sous-commissariat dans commissariat et Liancoua dans sous-commissariat Posodia pas gon blindé là dedans on gagne blindé dans zone dans c'est dans Kafoupé Lichita. Qui ça qui expliquait que si directeur département, si directeur général police la France LB, voyez directeur départemental police la tribunite la vin font travail. Mais si travail là c'est vin neutraliser gagnant, c'est vin déraciner gagnant. Côté matériel qui nommé monsieur, m'pa jusqu'à présent, m'pa un blindé qui accompagnait directeur de départemental là depuis le venir là. M'pa un blindé. Sel gen blende que te gen en toujours là c'est Kafou Pay. On pas en blende et Mo Pay, on pas en blende Trive la Tibonite, on pas en blende Liancou. Alors que nous vini nous dit que nous vini pour combattre gang yo. Et ces policiers nous lagué là yo avec tigi les pas balles nous met sous yo, ça suffit pour y aller combattre gang? On pas quoi ça? S'il était facile pour avec tigi les pas balle nèg gen avec Ndakadi et Galil yo gen nan men yo al te suffit pour yo te combattre gang yo t'ap gen combattre gang yo déjà et moi connais gen nèg ki très déterminé pour yo travail pour yo combattre gang yo mais si yo pas gen accompagnement la police là si yo pas gen détermination responsable policier si aussi gouvernement la police DG la police là on prend direction générale police là pas gen détem pas gen volonté pour combattre gang yo ça yo même yo ka fè qui sont policiers avec on tigile pas balle sous lit on prend qui pas même ka recevoir un bon balle 9 mm dans garde on est qui gon 9 mm cap tirer et full auto qui passe en full automatique tigile pas balle nek so doit pas même ka supporter voir on est cap tirer à un cartouche 7.5 mm on est cap tirer avec un M4 on est cap tirer avec un zam comme ça sur un policier gagne on tigile pas balle pour lui sous lui ça le café il pas faire rien est-ce que le fait que directeur départemental la vini là et qu'il dit que le gagne mission il gagne et t'a qu'a dit l'ordre direction générale police là pour le venir ratibraser pour le venir neutraliser pour le venir mettre l'ordre dans désordre que bandi a fait dans la Tibonite là. Et mais si directeur départemental police la Tibonite là li gagne appui direction générale police là côté signal qui voyait bay bandi là imagine directeur avenir te bay 20 jours je dis non 20 jours li vle que gagne la paix qui établit et que tout nèg qui pas capable OK c'est OK on fait changement pas de problème est-ce que ratibrasé gagnio est-ce que neutraliser gagnio est-ce que disparaître gagnio li était seulement dans changer moun OK qu'on a le fin changer moun yo côté action yo OK côté signal qu'on lancer pour faire que gagnio senti que yo pas à l'aise pendant fête Noël là nèg yo volé gang Savien mêlé avec gang Lucas mêlé avec gang Palmislan nèg yo volé presque une cinquantaine bœuf paysan yo cabrit cochon nèg yo font fête en dans Savien wololo e bay tête chargé viande nèg sa yo gaspiller c'est pas bagaille qui pour faut ou même cap travail dû ou même cap goumer dans la vie ouais ou gen nèg la gen 50 60 ans la goumer pour qu'on jambe ka manyen on t'a dit on $1,000 en plein en main et pour nèg gen un paquet ti vagabond nèg qui pa pitil qui pa itil nèg qui pa nèg pa même à l'école voir pour ta dû ap travail nèg pa et puis un paquet jeune ti garçon ti moun nèg yo gen cob nan main yo côté nèg ap dépenser valeur l'argent yo vle nèg ap fait créer ak femme nèg yo ap manger ou prendre dog akroti on nèg yo rentre dans jardin paysan yo prend majo yo prend tout bœuf paysan yo té lagué dans rage a malgré paysan yo pa gen l'autre moyen pour fonctionner c'est ti bœuf là peut-être ti cochon ti cabrit là qui té seul espoir yo nèg yo prend tout et puis autorité qui gagne l'argent peuple là nan main yo parce que tout
l'autre nèg qui dans autorité que c'est policier c'est peuple qui a payé c'est l'agent taxe nèg yo qui paye l'agent taxe pam l'agent taxe pas tout le monde on mon achète ton pain il paye taxe dans l'agent dans pain l'acheter a OK voilà que qu'on y a mes DGI a mettre couteau en bas gauche moun yo pour mander yo tout chauffeur à faire plaque machine yo ba jusqu'à 31 décembre pour faire plaque soit pas faire plaque machine ou c'est là or gien des côtés ba gien plaque là même OK donc ça veut dire l'état ou même qui dans l'état c'est type pep ça ou quitter bandi yo a matérisé hein c'est type pep ça quitter bandi yo a maltraité hein c'est type pep ça quitter bandi yo a touyé a déchepillé hein c'est eux même qui paye c'est l'agent pa yo qui fait que au chef yo dire l'agent pa yo qui fait que ou a pour les nos belles machines climatisées l'agent pa fait pour nos machines blindées etc qui sont fait pour yo je dis à là en pile paysan dans la Tibonite là a crié pour qui ça parce que bandi yo pendant 24 pendant 23 décembre dans là nèg yo al nan jardin paysan yo nèg yo prend tout bœuf paysan yo ça yo tué yo tué ça yo gen la kay yo gen la kay là ça va le voyer vendre nous pas connait donc nèg yo broté tout bête paysan yo te gen dans jardin yo pendant ce temps la police te vini directeur départemental police là monsieur Jean-Brice Mitil vini il dit que li bay 20 jours pour commencer bas résultat contre résultat même si ou pas ka mener opération dans base gang griff ça vient parce que bon nèg yo gen gros am nan men yo c'est pas une zone nous connaît bien ou pas ka son nèg yo comme ça pas gen problème nous k'attend toujours mais côté signal là est-ce que Liankou c'est ça vient Liankou pas ça vient moi suspend répéter que Liankou pas ça vient Liankou c'est une zone qui différente par rapport à Savien. Pour sortir Savien pour aller Liankou, faut traverser fleuve la Tibonite là. C'est comme quoi on t'a dit c'est deux pays frontières, ça veut dire deux pays qui séparés par une frontière qui est les rivières, tant qu'on t'a dit ou gagner Cuba Haïti. Cuba pas Haïti, Haïti pas Cuba parce que gagner la mer séparée. Même gens tout Savien pas Liankou, Liankou pas Savien. Pour ce client qu'on pour aller ça vient sous c'est dans machine ou aller ou gain deux côtés seulement qu'à passer pour ce client qu'on pour aller ça vient c'est ou bien passer par Carrefour Pay pour faire route là tout droit pour aller ça vient ou bien ou aller passer par route Verrette canot pour aller virer rivière pour venir ça vient donc ça veut dire pas gain route machine direct qui sorti lien qu'on pour aller ça vient Jean monsieur Basgan Griffio utilisé là pour on est sorti ça vient pour le venir Liankou c'est rivière pour traverser fleuve la Tibonite là et fleuve la Tibonite là il pas un petit canal lié c'est pour un bagage comme on ca voler c'est pour un bagage comme on ca on prend lever radeau maintenant cou ou bien trousser pied pantalon pour traverser non c'est ou bien traverser dans canotte ou bien traverser dans bac ou bien nèg la con nager côté nèg la faire n'importe on prend 5 à 6 10 minutes pour la nager pour traverser fleuve là surtout les fleuves là gros qu'on y a non on a parlé là pas grand pile d'eau dans fleuve là mais pas grand monde qui traverse la pied de toute façon faut qu'on nage de toute façon faut gain bac donc nèg yo le nèg la saute ça vient pour arriver dans fleuve la Tibonite là ils font paquet route qu'on y a les saute dans fleuve la Tibonite là fin traverser fleuve là pour sortir bon fleuve là dans l'autre bord pour traverser pour venir en cou gon paquet route li gain pour le faire encore alors pendant toute route ça a fait pendant nèg yo OK a quitter la zone là caillon nèg a quitter base yo pour faire toute route ça yo pour elle faire toute exaction qu'il a fait là yo et puis qu'on y a pour la police dit jusqu'à présent pour que j'aime caler son signal bon côté machine nèg yo gagne bon fleuve là directeur pour qui ça jusqu'à présent la police pas calmer pour propriétaire machine yo pour machine yo pour qui ça ça pas passé expliquer bay population explication qui ça empêche de faire ça ça la cause que ne pas faire ça même temps mais qu'on elle même ta mais konnen moun k ap tande auditeur radio pyramide yo ta mais konnen moun ki online yo moun ki sou Facebook yo moun k ap suiv nou yo ta mais konnen pou ki sa jusqu'à présent la police pa ka mené chauffeur machine yo al pran machine que monsieur te volé pendant tout mois et novembre décembre nan la ki bon fleuve la ki pa nan base sa vient pa gen problème monsieur nou ki doit poko karive nan base sa vient pa gen moun ki mande nou fè sa konnen a li mande préparation li mande pour que nous bien préparé on intervention dans base gang griff ça vient pour nal dans Kailixon nan pour nal pas connait débrouiller Kaila mettre tout le monde dehors etc. Li difficile pour nous faire ça nous connaît que nous ka pas ka faire ça dans une journée mais monsieur et machine yo qui bord de loi ça capable nal prend yo et machine moun yo
et puis le bagage nèg yo volé qui bon rivière et lien quoi ça fait pas contrôler lien quoi bon dis nous auditeur radio pyramide nous même moi même mal fait route là me saute go naïve me prend un petit bus me dit me prend Port-au-Prince l'homme rivé pour sonder premièrement tout monde qui dégain téléphone tout bail important ou serré l'autre côté nèg pas gain téléphone qui ouvre qu'on y a chauffeur prend route là pardon dans machine là même si gain toilette kembo même si gain pipi kembo chauffeur a dou li pas camper l'elle fin traverser l'en cou la camper OK tout monde c'est marre dedans pour traverser l'en cou pour qui ça parce que tout monde yo peur tout monde peur même si monsieur Basgan Gifio parle encore mais monde yo peur yo peur parce que yo pas gain monde qui yo pas contre personne pas gon policier qui sur route là yo pas croiser avec un patrouille yo pas croiser avec un point fixe côté la police campé li dit la bail sécurité sorti lien cou sorti pour sortir prouver lien cou ap joine au moins 2-3 et backup police qui campé cap surveiller nèg yo ou bien gon deux backup police qui a fait aller venir sorti lien cou venir pour son etc. pas rien ça donc ça veut dire moun yo peur et toute peur autant de ya, moun yo gen raison pour peur parce que n'importe qui l'est, nèg yo tellement à l'aise, nèg yo tellement libre, n'importe qui l'est, nèg yo ka sorti nan bazio et puis yo vinn sou lien kou et puis yo vinn kidnapper moun. OK. Kon ya ou gen pou faire 6 heures de temps pour pipiti a courir machine sou passer route la longue et route la pas bon. L'aime de route la pas bon, route la pas bon. Kon ya machine nan pou rive, l'est pou rive bon et l'hôpital et l'hôpital Mirbalea c'est l'arrivé là où joindre une route asphaltée et c'est là ça on va commencer par joindre soulagement pour arriver en bas Mont Cabrit. Les chauffeurs arrivent en bas Mont Cabrit. La peur pire oui. La peur pire parce que nèg yo do que le on va passer dans Cafou Jérusalem avec Canaran, c'est gaz collé et là encore yo ka tomber sous nèg Canaran yo qui vient braquer. Donc l'arrivé là, qu'on y a pour sortir dans sur route nationale là pour arriver bon repos. Sorti bon repos pour arriver Kazo. Ah mettre la forme de grand monde sous parce qu'on fait n'importe 3 heures de temps dans petit bout tout ça ou pas arriver parce que blocus ils sont toujours gain blocus. Moi même les chauffeurs arriver Kafou Lison, l'obligé rentrer par en dedans et les fait route Lison, les al tomber sur route 9 là et puis pour retourner virer encore pour l'Alnan et Kafou Kazo pour retourner sur route nationale encore ça vient faire que on route côté café dans 1 heure de temps ou fait à peu près 7 heures de temps 9 heures de temps ou pas qu'on arriver côté pour aller. Maintenant chauffeur qui fait trajet Port-au-Prince et Godaï Port-au-Prince Saint-Macio, Il n'y a pas qu'à faire de voyage non journée. D'ailleurs, si vous sortez de Saint-Mac, ou sortez de Gounaï, puis à Port-au-Prince, il n'y a pas qu'à tourner même jour. Là où il y a tourné sur Port-au-Prince, Verrette, toute machine net obligée de dormir là. Je ne sais pas si vous avez samedi. Vous pouvez prendre pour auditeur Radio Pyramide, pour même qu'à suivre nous sur Facebook, bam, d'où le chauffeur sorti de Saint-Mac, ou bien sorti de Gounaï, puis à Port-au-Prince, il y a les Port-au-Prince. Mais il n'y a pas qu'à tourner même joie. Les ap tourner depuis le temps 5h après-midi, pas gen nèg qui a pris chance de traverser Liankou. Pendant ce temps, gon commissariat Liankou. Pendant ce temps, gen on backup, gen yon unité spécialisée UDMO qui Kafou Pay, qui a poursuivi. Pas gen ken chauffeur qui a pris chance de faire là. Tout nèg obligé de dormir. Gardez, depuis le temps d'arriver dans la zone 5h après-midi, qu'on y a le temps fait noir, 6h, Alveret pour émerveille. Rive Verrette pour émerveille. Devant commissariat Verrette là, c'est là toute machine yo net rassemblée. Quel te trailer, quel te camion, quel te bus, quel que soit machine. Depuis 5h après-midi ou saute mi balai, c'est laisse ça qu'on rive Verrette, c'est tout campé là. Pas grand ken koto ka fè encore parce que net base gang griffio contrôler li encore. Pendant ce temps, directeur départemental la vinil dit li bay 20 jours a expiré depuis 23 décembre 2022. Jodi a 26 décembre. Côté signal que la police baille pour inquiéter bandits. Mes amis, m'a dit notre bagay. Moun ki moun ti rive a Tibonite kap koute nou la. Si ou gen 2 ans, ou gen 3 ans depuis sorti ti rive la Tibonite, jodi a souvé dans ville Tibonite en vérité sou pas crier
si l'eau pas saute dans jeu ou qu'on n'a pas monde du tout. Et on pas kakembe tout. On pas kakembe. L'on rive tirive la Tibonite. Son cimetière ou joine. On ville qui pas gen pièce pour là-dedans, non. On pas que tombe toute caille fermée. Ça boule, ça crase, toute porte fermée. Et puis pas gon oui qui pas gon barrière là, pas dit barricade non, moi dit barrière. Presque toute route rivière gen barrière là-dedans jusqu'à ce qu'on arrive en haut bouc. Ça veut dire sorti dans pont bouc, ça veut dire dans rentrée ville là. Pour jusqu'à ce qu'on arrive par exemple dans Bokaimer. Eh ben toute route ça honnête barricade barrière. Pas grand ken route rivière qu'on y a ou qu'a fait tout droit. Sont pas bifurqués, sortir un côté pour aller dans l'autre jusqu'à ce pour arriver au côté pour aller. Bon, machine pas qu'à circuler dans la ville. L'arrivée dans une ville comme ça, une ville qui était chargée d'activité, une ville historique, qui gagne un palais 365 portes là-dedans, qui gagne le fort de la crête à pied au côté des salines, qui prononce par le leader, que monde qui voulait esclave français, sorti qui était fort. Et là, des salines, qui prononce discours ça. Et puis, je dis à Rive Tirive la Tibonite, ou je ne suis en ville fantôme, en ville zombie, en cimetière à ciel ouvert. Pas de personne dans la ville là. Ou de quelques grands monde qui brave le danger qu'on traverse, qu'on ouais, ou qu'on rencontre. Est-ce que nous ne pas parler de Canaan là, non? Je ne pas parler de village de Dieu là, non? Je ne pas parler de. Qu'on dit ça quoi? Matissan là, non? Je pas parler de Tirivère et Tibonite qui sont villes. Ma parle d'on ville. Sous sorti Kafou Pey, ou ta bravé danger ou fait route Kafou Pey, tout droit pour arriver la Tibonite. C'est dans mitan réagir, ou a passé. Parce que toute route là qu'on y a tellement moun pas fréquenté route ti rivière. Réagir pied bois. C'est eux même oui qui prend route là. Bon, dernièrement directeur après aller dernièrement directeur après aller font réunion ti rivière la Tibonite dans commissariat. Côté le passé. C'est pension de monsieur passé là, il passé par canot, font paquet route pour la rivière, oui. Les laptop ne fait même route là. Alors que bon directeur prend à peu près n'importe 2 heures de temps pour le faire pas comme ça. Alors que s'il était passé route normale Kafou Pey pour la rivière, il t'a prend à peu près 30 minutes, 35 minutes, il va faire non. C'est pas pour ça de le passer. Et puis jusqu'à présent, directeur, ou elle pas passer dans la route normale pour la rivière. Et puis jusqu'à présent, elle n'a pas fait. Non? Pas grand rien fait. Je ne pas dire directeur, pas de personne qui dit directeur que le TDO est en fait opération dans la base de Griffe Savien. Le TDO est fait, oui. Le TK fait, oui. Mais en plus, le monde comprend ni. Population comprend ni. Le monde qui est la Tibonite comprend ni. Auditeur Radio Pyramide comprend ni. Moi-même, comme mon directeur d'opinion, moi comprendre directeur ou pourquoi qu'a faire une intervention rapide comme ça dans base gang Griffe Savien mais quand signal ou lancer ya et machine moun yo qui bot gloire sous lien cou qui pas base nèg yo pas ka contrôler zone ça 24 sur 24 directeur pour qui ça pas une intervention qui fait dans zone ça pour faire moun yo qui paye machine yo au moins bandi a dit ah monsieur nèg yo a prouvé sous nous nèg yo gien prouvé sous nous hein. Directeur, expliquez la difficulté. Monsieur, c'est chef, nous, monsieur, c'est autorité, nous, monsieur, c'est nous qui avons un monopole de violence dans nous. Zam qui nous menons, zam l'étalier, zam légal. Négio, c'est zam illégal. Même de monsieur, je ne sais pas si nous comptons ça. Regardez, bandit, pe police, oui. Côté bandit, on a vu un exam en civil sur lui, il n'y a pas de pelle. Depuis son police, il y a le caché, oui. Monsieur, bandit, on peut nous en pile, monsieur. Monsieur la police, bandit, on peut nous en pile, oui. Bandi yo connaît que c'est autorité légale noyé. Depuis nèg yo tande la police a venu côté tout nèg brasé. Tout nèg couyal cassé, tout nèg boisé, oui. Tout nèg c'est jeto, oui. Depuis même sous tête des bandi en terre, ou te fòk ou le kafol gen gros am nan mel. Depuis tande yo di mais la police, tout nèg jeté, oui. Monsieur nous va gagner tout avantage ça sous bandi yo puis monsieur pour quitter bandi a fait ça ou vle la comme ça mais Luxonel qui sont team moun là l'autre jour là on est qui pour même gon bon 30 ans monsieur Luxon pas chef nous on est après les têtes les général c'est mafia mieux oui ni son gabel et mafia mieux li pas même comme ça mafia les deux et mafia mieux m'pas voler moi mais mafia mieux m'pas bandi mafia mieux on c'est général moi. On directeur et tout bail qui a trivé on veut lever yo si ne pas lever moi m'a venir faire lever ou Luxon qui a parlé comme ça bon pour me ta directeur départemental police chef moi et puis pour me quitter un vagabond
on sans ave, on ti moun qui sont bandits et bon que nèg la parler comme ça, m'gè formation, m'gè technique que nèg lan, li pa konn son zam ki nan men la voler, si nèg la konn man zam comme zam nan gè longtemps depuis nan men, li ka konn ki pou man men, li pa même konn ki pou démonter zam nan ki pou ba, li pa konn ki tactique pou le faire. Et puis pour nèg ça a défier et puis pour me d'accord comme chef toujours. Allez là monsieur. Bon nous chef toujours. Ah, ou chef toujours et puis pour un petit homme, un petit vagabond pied sale, pied à terre, était carrément devant la et général moi mafia moi même cob pour me vivre pour toute vie moi. Les papa acheter balle, m'acheter balle et pas bail non, c'est pas caisse oui. Machine capote balle là ban moi, la police pas ca camper non et puis pour me d'accord comme chef et puis nèg la dit bail ça et puis là. Ah mon chef. Alors qu'on a pour ta chef, pour qui ton vagabond camper l'a défier devant tout le monde, devant toute tes bon, communauté nationale internationale. Next ça va faire voix sur vous tout côté, y a défier la police là et puis directeur Mitil souvin là même bagaille Ralph Dominique fait n'importe 2 ans là. Mais mon poule monsieur pas arrêté, m'a rien d'eau pour le tatouiller. Ah directeur, c'est comme ça va y passer là. Supportement de population mettre là mon cher pas connait non les cas discutable ou font pile réunion c'est vrai directeur ou rencontrer en pile monde mon yo pas regarder directeur pas grand qu'un secteur dans la tournée là qui pas paré pour collaborer avant bon bral de directeur bon bral et pile loin avant ou est sous ta gain des matériels qu'on pral faire opération dans base grand griffe ça vient pour déraciner bandi dans la Tibonite là et que matériel pas gain gaz pour mettre là-dedans bon population a fait quête population a fait marathon y a pas acheté gaz maintenant matériel pour faire travail là ouais pour montrer si on pral faire opération ou pas contre zone ça vient bien ou besoin de nèg qui pour monter chablende avant qui pour diriger policier dit mais qui côté pour mettre pour joindre nèg qui fait ça avant directeur, mon yo bouke oui dans la Tibonite là directeur Brice Metil. Mon yo bouke, yo pas capable encore non directeur. Directeur, si c'est France LB qui voye comme directeur général police là pour venir faire travail dans la Tibonite là pour venir délivrer pour population, fait non directeur. Ou gen support toute population avant oui directeur. Ou est-ce qu'on mène une opération là avec pas mal chance. On prend tagon on balle qui passe bon tête au cou. Après on pile monde qui pour couvrir directeur. Bon directeur, gen nèg qui paraît pour couvrir là. Soit font opération ou ta courir. Gen nèg cap paraît pour couvrir pour pas victime directeur pour montrer tellement population paraît pour bon accompagnement. Tellement population paraît pour bon support. Tellement population paraît pour bon collaboration pour qu'on va finir avec gang là. Directeur mon yo pas bon non directeur. Directeur Brice Mutil, mon yo pas vivre là non directeur. So garder soit le tirer la tibouni directeur ou t'al nan réunion et nan commissariat te rete ou te font tirer bon et complexe éducatif là ou bran et alors pas complexe cap complexe administratif là et ou te font tirer là mais directeur ou pas marcher dans boucle ba yo non directeur. Ah directeur ba yo grave dans la tibouni là directeur. Directeur ba un signal. OK? Notamment ba un signal. Au moins ba un signal qui montre tout bon vrai que nous vinn traquer bandi. Ou poko ka faire opération dans ken base. Mais lien coup pas base bandi. Lien coup c'est on l'autre zone lié. Nèg yo c'est profiter de faiblesse la police, faiblesse autorité yo. Qui fait que vous avez sorti juste côté vous sorti ça vient pour vous venir bay moun problème dans la route en quoi. C'est faiblesse la police là nèg yo utiliser pour vous quitter bazio pour vous venir voler machine pour vous mettre le bord de loi et puis vous penser que la police pas qu'à venir retirer machine yo côté ya. Directeur ou gen commissariat tiré la Tibonite gon inspecteur qui là inspecteur ça monsieur paré pour le travail. Directeur inspecteur police trivia monsieur paré pour le travail et monsieur habitué travail déjà et l'habitué bay résultat directeur mandé DG la police la France LB bon matériel pour capable venir mener opération qui nécessaire pour déraciner base grand griffe ça vient pour déraciner base cocorat sans race qui veut tourner encore dans la Tibonite là dans zone la quoi péris c'est là où t'es courir derrière yo t'es allé dans nord-ouest ou te frappé au directeur ou te ba en pile
résultat dans zone ça directeur vinn là nèg yo tourner encore nèg yo voulait tourner dans la quoi pays encore directeur c'est pendant vinn là et puis nèg yo té dans nord ouest ou té courir derrière oui pendant vinn là yo là dans la tourner le baka fan avec au directeur ah mon cher nèg yo pas point non directeur moi même commissaire divisionnaire commandant Jean-Bruce Myrtil respecte yo moi mes travail va faire mais directeur baron signal et premier signal population a tande nan men ou permettre que propriétaire machine yo al récupérer machine yo que bandi savé yo prend al mette bord l'eau machine yo pa même rive bord fleuve là non parce que route côté nèg yo passé pour y aller avec machine yo li pa rive bord fleuve là nèg obligé quitter machine yo dans route OK qu'on y a pu débarquer moun yo ou songez côté nèg yo mette machine yo ils sont bon distance par rapport à de loi ou nèg yo fin débarquer moun yo nèg yo te font viol collectif nan rage avant rive bord fleuve là tout là avant traverser de loi ak moun yo ça veut dire machine yo pas bord de loi machine yo pile loin toujours. Ça veut dire machine que nèg yo prend yo stocké yo serré en barrage a li pa même rive bon fleuve là or pour sortir savier pour une bon fleuve là directeur son belle route liée li pa petite route petite ça comme d'adou c'est pas sorti là pour traverser on de l'eau et puis bop et pour longer droit ou bien relé sous camper bon fleuve là on mettre relé depuis jodi a pas grand monde ça vient capitaine d'eau parce que ça vient loin directeur par rapport à fleuve là tibonite là directeur ah monsieur ah monsieur bay signal ça non monsieur montrer que bon OK bon qui ça n'a fait pour non mettre confiance la caille population la tibonite là qui action d'après nous qui première action que nous ka mener pour prouver moun la tibonite là que nous voulons bayo la paix est-ce que moun ka sorti à l'aise et pour sonder pour al mir balai pour al porte presse pas ensemble par Eliankou est-ce que ka fait ça à l'aise non jusqu'à présent depuis le 5h après-midi pas gen machine ka prend chance traverser Eliankou si on saute Port-au-Prince depuis où river verette yo tout campé là c'est là toute machine dormi si machine n'a pas saute Saint-Marc li tout était là parce qu'il connaît que li pas besoin aller 5h li pas ka passer Eliankou pendant ce temps ou gen yon backup Udmo qui sont unité spécialisée dans la police là qui nan sous commissariat et pour son DA c'est la base yo base de moi et l'allié ou gagne yon commissariat nan Eliankou qui gagne yon commissaire police qui nan tête li c'est sûr qu'on gagne policier là côté patrouille nous met sur route là côté point fixe que nous mettez côté blindé nous côté matériel que nous gagne pour policier capable sentir que yo en confiance que si pral mener opération yo pas victime nan mode moun yo 5 minutes yo pas victime 5 minutes qui ça nous fait directeur moi même c'est moun la tibonite c'est petite la tibonite moun c'est mak moun tibonite la tibonite moun gonaïve nan la c'est dans la tibonite nan c'est l'âme vive c'est l'âme vive c'est l'âme évoluer c'est l'âme fête directeur sou vinn là ou vinn di ou vinn bay moun la tibonite yo souf travail tout bouvé pour banon souffle. Banon signal. Moi même, m'a connu pour l'autre monde. Premier signal qu'on capable bail pour montrer effectivement que ou vinn dans well, ou vinn dans dégwen gang yo permettre moun qui gen machine que monsieur Basgan qui fait voler qu'il a metté en barrage à sous lien coup fait moun yo occuper machine yo. 1 2 Moi t'a souhaité que nous gon patrouille, yo nous deux patrouilles. Qui quand même fait aller venir sur route rien quoi dans zone côté nèg yo plus active yo bon pont rouge là ouais entre ville Yanko et pont rouge au moins mettons petit backup là mettons point fixe là laisse ça et passager yo chauffeur y a senti que yo en confiance y a qu'à faire route là n'importe qui là même si la soir y a faire route là mais vous qu'on y a depuis 5 après-midi pas gain pièce chauffeur qui veut faire route là passager pas d'accord pour faire route là directeur au moins sous banon deux petits bail ça yo n'a senti quand même qu'on commencer le travail et puis n'a tonne qui l'opération qui gain pour faire pour aller déloger bandi dans base gang griffe ça vient pour aller attaquer et ambassade
Luxon et Langen dans sa vie, un bel caille, belle bagaille. Moi-même, pas bâti caille ça. Gen moun la pap jam ka bâti caille ça. Même si yo te goumé, caille Luxon bâti pour le serrer moun, pour le torturer moun, pour le tuer moun dans sa vie, gen nèg la pap jam ka bâti caille ça. Même si devo ka entrer, kon y a, mes directeurs, avant que vous fassiez opération pour aller dans caille ça, bon non signal qui ka montré que la police, tout bon vrai, voulait faire travail li et voulait bay moun dans la tribunite là. Bon Jean, espoir que pral gen sécurité. Jeudi à 26 décembre, avant 1er janvier arrivé, qui s'est fait 1er janvier à directeur, bah on signale. Merci en pile, tout le monde qui t'a suivi l'émission, parler pour nous changer, sur antenne Radio Pyramide FM. Et jeudi à, nous t'es content avec vous. C'est sûr que vous n'avez pas de possibilité pour t'intervenir. Mais nous souhaitons que demain, si Dieu veut, dans la prochaine émission, on a une chance pour nous être venus. Et m'a planifié avec collaborateur nous, Walen Sully, pour lui permettre que nous soyons capables d'intervenir dans l'émission. Merci à tout le monde. C'était la paix, la joie dans que nous, surtout dans fait année ça. Même si bah, pas facile, mais avec courage. Avec solidarité, avec l'amour, nous avons quand même rêvé survécu. Merci à tout le monde.